Allez, c'est parti, salut à tous, je vais tenter, en fait on va tenter le défi là que je vous ai dit, Link's Awakening, et Isaac Awakening du coup là. Yes. Je sais que j'aurais pu faire le 37 avant, mais j'ai envie de faire celui-là, j'ai envie de me détendre après la run déblocage Isaac. Regardez, comment c'est la détente. Alors tel un Zelda, hein. J'ai le bracelet de maman, enfin c'est un bracelet qui me permet de déplacer les rochers. Les rochers, les vases ou autres. J'ai le bouclier, toutes les armes qui me viennent en face me défendent. Et si j'appuie à fond, je peux faire ça. Voilà. Et je balance des trucs seulement quand j'ai les full life. Que la Master Sword balance des halos de puissance quand nous sommes à face. Donc ouais, regardez le bracelet. Vous voyez, vous pouvez prendre, envoyer et ramasser des soloettes penny. Putain. Et que là, ça m'a donné de la thune. Et nous jouons Isaac. Alors je sais pas si c'est par rapport à mon dégât, en tout cas ça fait mal. Yes. Donc on va progresser tranquillement, on va faire un challenge de l'amour. Hop là. Alors ils aient le regret de faire ça, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a les items de... les items... j'ai pas regardé. En temps normal, j'aime bien savoir s'il y a les salles de boss, les... enfin, pas les salles de boss, mais... Les room. Un cœur pourri! Non, il y a... Il y a les magasins, mais il y a pas les... Bleu! Est-ce qu'on veut le sbleu? Non, on veut pas le sbleu. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, on va prendre tous les rochers de l'amour. Et on va... Tous les crânes, et on va les exploser au sol. Par contre, attends, le sbleu, on va le ramasser. Le sbleu, hein, pour rappel. Voilà. Parce qu'au moins, avec ça, on peut faire ça. On peut avoir de la thune. On peut casser les rochers, ça nous permet de trouver bah, les rochers marqués, tout ça. D'ailleurs, on va tout piffer. Hein. Je les balance pas comme ça, ça les casse. Et on va prendre le temps. Hein. Alors là, je vous le dis tout de suite, ça va être. On va prendre le temps. Hein. Parce que vous avez vu l'objectif, hein. L'objectif c'est Mover. L'objectif c'est The Boss, cassage de cul. Ça veut dire mausolée, ça veut dire mine. Ça veut dire fumament. Combat. Alors, comme vous pouvez le voir, le jeu est gentil. Il me dit va là. Rappelle-toi qu'il faut que tu te tapes le down pour. Voilà, donc voilà, oui. Par exemple, on peut faire ça. Alors là, le truc, c'est. De pas, à mon avis, de ramasser ça, ça m'explose à la gueule. Par contre, est-ce qu'on peut. Non. Nul. Plus de range, alors est-ce que ça fait plus de range pour ça? Je suis pas sûr.
Ah, il faut que je garde des bombes. Bête. Si ça se trouve, ça va m'ouvrir les mines gratos, alors bon. L'attaque, je pense qu'elle fait plus de dégâts. Quand vous mettez en face, comme ça, vous êtes sûr de prendre... Enfin, vous êtes sûr. Il n'y allait pas trop en diagonale, l'attaque. Normalement, ça devrait aller. Là, on peut pas y aller, sur ces coffres. On a dit qu'il y avait que la salle d'objets. Hein. C'est que la tête qu'on peut viser avec lui, ok. Speed up c'est oui, Devil Deal c'est oui. Y'a personne? Non y'a personne. Non. Hop, allez, donne pour deux. Alors, comme ça, tu m'attaques, toi, salaud. Voilà. Ah, c'est très agréable de... Ah, paperclip, les coffres gratos à l'ouverture. Votre pénis me donne tellement rien. Bon, en fait, j'ai pas envie de me faire toucher. Allez, on sécurise. Pas trop à quoi il sert celui-là. Allez. Ah oui. Ah, c'est ça que j'allais dire, mais j'ai oublié l'objectif. Ah, du coup, oui, il faut que je fasse gaffe à ça. J'ai pas encore le truc en tête, hein. Bien les mines c'est facile à retenir. Tire les étages hein, pour pas se tromper. Ok, il est là. Je le fasse maintenant ou après. Enfin, avec The Lost, il va falloir que je fasse gaffe. Plus il faut que j'aille. Un rocher marqué là. Ah, si je touche le feu là, je meurs. Hein. Je le touche pas. Non, voilà, c'est ça. C'est pas le boss qu'il faut démonter, c'est... Après, je peux démonter le boss. Mais le problème de démonter le boss, là, c'est que le build, il est pas acceptable, démontage de boss. Donc on va pas s'emmerder. On va juste se barrer. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un objet en plus. Charme tirs ou l'autre.
l'autre. Magneto, les items, c'est cool, les items sont attirés par moi, alors si je vole pas... Alors, j'espère qu'on va me donner des bombes. Je vais en prendre une. Et la faire péter. Je pense qu'ils vont m'obliger à prendre le passage. Mouche là, ça peut vraiment me faire si je suis en face d'elle. Ouais, ça m'ouvre les mines automatiquement, donc en fait j'ai même pas besoin de me prendre la tête. Bon, quoi qu'il arrive, j'avais deux. Prendre Gimpy. J'ai apparition de cœur plus souvent. Pas de rocher marqué. Back to the mine. Heureusement qu'il y a le bouclier. Je pense qu'ils ont mis le bouclier parce que de toute façon de base. Mais bon, il y a un challenge qui est à peu près dans le même genre, hein, c'est Hyrule, mais on a le couteau de maman à la place. Ah, alors voilà, où il meurt en diagonale. Voilà, où il meurt en croix. Je sais pas s'ils ont. J'ai pas fait gaffe au design. Des ennemis, tu sais, par rapport à leur couleur. D'accord, ça. J'ai vu ça. Alors, c'est cool. Je fais pas péter assez les rochers, hein. Comme j'ai dit, faire péter les rochers, c'est moyen de trouver une trappe. J'avoue que j'optimise. Je suis pas en train de faire de l'optimisation là. Oui, alors ça, vas-y, passe, fais ta vie. Hein. Vous voyez, hein, les items sont attirés par moi, c'est cool. Il y a un rocher marqué là, vous voyez par exemple, bah regardez, un rocher marqué, tu le prends, tu t'envoies. Ah, si tu voles pas, tu peux pas y aller. Enfin, imagine qu'on peut pas faire un chemin là. Bon, rigolo. Bibliothèque. Alors je me tâte là. Tâte. Voilà, il est bien. L'arcade, vas-y. Un passage si je fais ça. Ah, ça fait un passage. En fait, ça se trouve pour l'autre, je peux le faire aussi. Ah, donc Isaac, le deuxième, il aura ça lui. Deux objets dans la salle. Nous, il n'y a pas de salle d'item là, donc moi je l'ai pris.
Je me tâte avec cet objet. Là, y a rien à faire, je pense. Ah oui. Mal. Faut leur enlever leur bouclier d'abord. Oui, ouais, mais Binky. Ah, ça recharge peut-être plus vite ça. Bien ces boss thématiques. Pas de dégâts, tu le passes quand il arrive. Enfin après il faut quand même les taper hein, mais... Allez. Mes boutons, il y en a 3 si je me rappelle bien. One shot pas. Merde. Avec le bouclier en fait je touche vachement avant. Comme s'il y avait un mur devant moi en fait. Cool. À côté. Ouais, faudra qu'on fasse le magasin quand même. On rappelle, on est à poil hein, normalement ici. Rien, repasse Isaac, non. La première fois je l'ai fait first try sans me faire toucher. Et là je sais pas, là, il faut mettre le panier, là c'est quoi? Thank you.
obligé. Mal joué, j'ai très mal joué là. Ah, c'est un boss à vague ça. Quatrième vague. Merde. Allez. Hop là. Dur, dur. Facile. Mausolée. J'avais beaucoup, beaucoup trop de vie là. Ah ouais, putain, ça ouvre tellement les coffres avant, ça fait trop bizarre. Ah si, je suis pas... C'est pas un peu trop tôt pour ce défi pour moi. Et là ouais, vaut mieux le tuer le gros que le petit d'abord. Là on en s'en fout. The Sun c'est pas mal. Le regret, hein, je balance tout dans la machine. Elle me donne des cœurs gris quand même. Enfin, les coffres, ça compte. C'est bon, ça l'a pas pris. J'aurais pu prendre celui-là, là, bordel de merde. Allez. De la chance, là. Eggman, normalement, il n'y a aucun problème. Fasse gaffe avec eux là, pas le fait. Terre noire. Ah. J'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance, non, j'ai... le bouclier était bien placé quoi. Chaud hein. Est tellement bien. Pourtant, j'adore la musique du mausolée dans T-Birds de base, mais non, c'est trop bien. Hein.
D'accord, je suis bourré comme un gros porc. Rains, et j'ai dit quoi, The Sun? Dangereux, hein? Pas pour un grid. Pas pour grid de ces morts là. Attention mini brimstone. Ah ils sont chiants eux. C'est tout le monde là? Friends, the new mother son. The Sun, hein, ça me redonne ma vie, ça me donne le mapping, ça me donne ma vie. Le bouclier, hein. Le bouclier qui arrive, hein. Faut pas avoir peur. Bien se mettre en face par contre. Donc contre Mover ça va être compliqué parce que beaucoup de diagonales. Il va falloir que je trouve le safe spot un peu, mais bon. Oh, je connais pas bien le boss, je l'ai fait qu'une fois. Hein. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait avec Dr. Fetus. Donc il n'y avait pas trop de strat, hein. C'était vite bourre les bombes. J'en étais sûr. Là, on aurait bien lui rester en face. Ok, ça se trouve, c'est le genre de perso qui doit tirer des brimstones, ça. Alors, si on lui fait péter la gueule, ça donne un truc? Pas du tout. Par contre, ça c'est trop bien, marron, hop, voilà, un HP up, Bonnart. Donc, pas déconnant. Combien conception, c'est trop bien. Par contre, Guppy, la patte de Guppy là. La patte de Guppy. Ça me donnerait quoi? Ça me donnerait 9 coeurs. Je me fais latter le cul. Alors on va partir du principe que je me fais latter le cul. Il me reste mon 1 coeur rouge. Le bourgepi, ça me redonne 9 coeurs. Mais non. Aïe. Quoi? Non. Ah, ça fait 6 coeurs, du coup ça fait pas 9 coeurs. J'ai calculé mon coût, merde, aïe aïe aïe. Alors, voyons voir. Peu de chance, ouais mais bon. Ah ouais, en fait mon The Sun il va servir pour un cœur, c'est nul. Et ouais, quand tu prends l'objet comme ça, il faut vraiment que tu décales direct. Bon, faut vraiment que je me refasse de la vie. Voilà, le jeu, merci.
maintenant, c'est parti. Non. Mais oui, je suis con. Bon, c'est pas grave. Bah oui, du coup, bombe. Et ouais, moi je suis con, je joue... Là, je l'ai joué un peu en mode, ouais, bah vas-y, soulève le rocher, quoi. Pure. Allez, on élimine la saloperie qui vous donne les boucliers. What? Il s'est bloqué mon... Pourquoi il s'est bloqué? Ah, c'est eux qui m'ont contrôlé, non? À cause d'eux? Pas contrôlé. À un moment, je pouvais plus attaquer. J'ai trop touché. Cadeau. Là, j'utilise ça, je meurs. Comment ça marche pour. J'imagine que c'est un boss en plusieurs phases, donc hop. C'est intéressant ce qui. Magasin. Fais gaffe quand je ramasse des objets parce que ça me stun le... Petite armée là. Bonnart. Donc on va healer le Bonnart. Bonnart qui ne peut pas être Guppispo Head hein, donc... The Sun va servir pour ça. Je suis en train de réfléchir comment faire, mais en fait c'est complètement con. Ouais. Ah, faut que je fasse gaffe, c'est Mom bourrin. Art, Mom's Art, c'est comme ça. Ah, attends. Bien droit, normalement, je devrais pas me faire toucher.
Pas trop comment on va faire contre le boss final. Hein. Je me fais toucher sur des boss qui... Ah putain, j'ai cru que c'était sombre, j'avais dit. Merde, Yo Wizard, ça marche. Vous savez comment il se dire. On déconne. Ok pourtant. Garde le défi, je pense. Ah, j'ai géré. J'ai pas eu le bon set d'objets là. Protège pas le bouclier de ça, putain. La bouffe. On fait un peu de la vie, hein. Chaud. Bon, il y a beaucoup de cœurs rouges qui spawnent, c'est dommage que j'ai pas un dark bomb là, putain. Avec ce trinket là, c'est un peu le... Shot speed up. Shot speed up. Une petite hésitation de ma part, hein, ça c'est bien. Aïe aïe aïe.
pas vu que c'était des araignées. Ou bah, cœur dans le cul. Dégueulasse. Donc le pispo va pas me servir à grand chose maintenant. J'ai un HP up. Voilà, eux c'est à moitié des araignées, à moitié machin. Shot speed up. Bon combat. Ah, je suis plus petit, plus dur à toucher. Pas déconnant par contre d'être. Plus je suis petit, plus mon bouclier me protège en fait. Sacrifice, c'est pas top, hein. On va rien faire d'autre, hein. Allez, on verra bien. On avance bien. Oh oui! Ouais, j'ai Gimpy! Elle a gagné le fight. On va lui garder le cœur rouge pour Gimpy. Anus 1. C'est trop dur. Bon, je vais vous laisser comme cette VOD pour vous montrer le truc. Moi, je le ferai de mon côté. C'était pour vous montrer le challenge, voilà, jusqu'à où il fallait aller. Bon, en gros, c'est dommage. Franchement, allez, tu me donnes 3-4 cartes de plus, à mon avis, j'y arrivais. Je me faisais trop toucher. Je connais pas vraiment la phase. Hein. Et les gens, ils arrivent pas à l'esquiver, la phase, là. Très vite. L'autre jour, je l'ai pas esquivé avec... En fait, tu... Et ouais... Ou alors il faudrait, ouais, je sais pas, voilà, avec le bouclier tu te mets sur le côté, mais c'est un peu chaud. On est dans tous les sens, bon, derrière. Oui, c'est, ouais, il y a peut-être un, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait de safe spot. Enfin, ils évitent maintenant, ils ont évité, j'ai l'impression. Isaac, ils nous ont laissé. Mais bon. Ouais, donc je le ferai de mon côté la prochaine fois, celui-là, mais voilà, c'était pour vous le montrer. Compliqué, compliqué, mais bon. Après ça va, globalement on s'en est plutôt bien sorti. Mais ouais, les objets, ouais, y'a Gimpy qui était bien. Gimpy là, il m'a un peu carré. Non mais après ouais, tous les objets qui donnaient beaucoup de cœur noir, genre bah le rouge à lèvres, tout ça, enfin c'est pas rien. Hein,
C'est inutile aujourd'hui. Dommage. Enfin, je vois pas l'intérêt de les avoir autant nerf. Ça va quoi maintenant? C'est ça le truc. À la limite, si le rouge à lèvres noir te donne deux cœurs noirs quand t'en ramasses qu'un, bon. Ouais. Les serpents kiss, tout ça, ça sert plus à rien. Enfin, Atame n'a plus aucune raison d'être pris. On verra bien. Allez, bise et à la prochaine.